Oui, bonsoir Isabelle Villain. Donc là, vous avez fait une peinture qui est assez emblématique. On voit la tour Eiffel. Vous pouvez nous expliquer un Oui, petit la peu? Tour Eiffel. Alors, c'est une peinture à huile que j'ai faite en 2001. Donc, en fin de compte, j'ai reproduit mon rêve. Donc, je me suis réveillée en sursaut, en sueur, froide même. Puis, avec ces deux mots dans mon esprit, déclaration de guerre. Et 2 jours après, les tours jumelles de New York étaient à terre. Mais là, on voit la tour Eiffel. C'est Comment? pas. On voit la tour Eiffel, ce ne sont pas des tours de New York, c'est bien la tour Eiffel, on est d'accord. Oui, c'est bien la tour Eiffel. C'est bien la D'accord. tour Eiffel. D'accord. Mais Et. c'est bizarre, quoi. C'est des symboles. C'est des symboles. Hein? Nous, la tour Eiffel, c'est pour la France. Et eux, les tours jumelles, c'était pour New York. Donc, c'est deux gros symboles très forts. Hein. D'accord. Et on voit un monsieur avec une pipe, là, une tête avec une pipe. On dirait une pipe, non? C'est bien Oui, ça? ben, c'est notre ennemi. Hein. D'accord. Et on voit beaucoup de flammes aussi autour, hein, il me semble. Et parce que, à mon avis, voilà, c'est pas rose et ça va craquer, ça va exploser un peu partout. Oui, c'est une peinture que vous avez faite en 2001, donc ça remonte quand même à pas mal de temps, hein, c'est-à-dire 12 ans. Oui, mais bon, en matière de médiumnité, on n'a pas le temps exact. Ça arrive quand ça arrive, hein. Bien sûr. Merci Isabelle Villain.